bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Bonjour. Aujourd'hui, on fait ensemble ce bandeau chauffe-oreille qui utilise un point du crochet tunisien qui ressemble beaucoup au jersey ou bien point côte. Plus au jersey. On dirait que c'est tricoté, mais c'est fait au crochet. Donc, on va voir ensemble comment faire ce bandeau. Donc, pour faire ce bandana ou ce bandeau chauffe-oreille, on aura besoin d'un crochet. On peut utiliser un crochet normal numéro 5 ou 5,5. Et voilà, ça c'est un crochet tunisien. Vous voyez le crochet comme un crochet normal, mais il est fermé par ici et il est plus long qu'un crochet normal, donc il est plus long. Mais puisque j'ai pas un projet qui nécessite beaucoup de mailles, donc je vais utiliser un crochet normal. C'est juste un bandeau, donc ça ne demande pas beaucoup de mailles. Là je vais utiliser une laine, c'est la laine c'est une laine Rainbow bébé Rainbow numéro 4. Elle a un numéro 4. On me propose d'utiliser un crochet numéro 6,5. Mais là, je vais utiliser un crochet. Normalement, pour le crochet tunisien, on utilise un crochet large. Mais là, moi, je trouve que avec celui-là, ça va. Avec le 5, ça va. Donc, on va commencer par faire un nœud. Et puis, on va faire 16 mailles chaînettes. Vous faites la largeur que vous voulez. Pour ma part, je vais faire 16 mailles chaînettes. Donc, les mailles chaînettes normales. Donc, j'en fais 16. J'ai 16 mailles j'ai 16 mailles. Donc, on commence par on prend le fil. On a les 16 mailles. Cette maille, elle compte. Elle va compter parmi les mailles. Donc, je saute la première maille chaînette. Et je vais sur la deuxième. Et j'introduis le crochet. Je prends le fil. Et je laisse sur le crochet. Je vais sur la suivante. J'introduis le crochet. Je tire le fil. Et je laisse la maille sur le crochet. Je fais ça pour toutes les mailles. Comme ça. Ouais. J'introduis le crochet. Je tire le fil. Et je laisse sur mon crochet. On fait ça pour toutes les mailles. Si vous avez un petit crochet, on essaie de pas laisser les mailles sortir. Mais pour 16 mailles, ça normalement ça sort pas. Donc on regarde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles. J'ai 16 mailles sur mon crochet. Donc qu'est-ce que je fais après? Je prends le fil et je laisse tomber la première maille. Un jeté et je laisse tomber les deux suivantes. Un jeté, je laisse tomber les deux suivantes. Un jeté, je laisse tomber les deux suivantes. Un jeté. Je laisse tomber les deux suivantes et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il me reste qu'une seule maille sur le crochet. Voilà, j'approche. Voilà, maintenant j'ai qu'une seule maille. Voilà ce qu'on obtient.
Regardez maintenant où est-ce qu'on va aller. Normalement, pour normalement, on allait ici. Pour les mailles, le crochet tunisien simple. Là, c'est une maille comme pour ce qu'on fait, comme un jersey tricoté. Donc là, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a ce fil-là, mais si on le pousse un petit peu, on a deux trous, celui-là et celui-là. Nous, on va dans celui qui est à côté du fil, juste à côté. Et j'introduis mon crochet et je tire le fil. Regardez. Là, c'est comme ici, ça se présente quand vous ne tirez pas. Il y a ce fil, il y a ce fil qui va là et il y a ce fil qui va là. C'est comme une maille. Donc, et moi, je m'introduis juste là. Quand vous avez deux trous ici, hein, regardez, quand vous tirez, vous avez ce trou-là et ce trou-là. Quand vous tirez sur vos mailles, vous avez un trou là, un trou là. Non, je ne m'introduis pas dans celui-là, mais dans celui qui est tout près du fil, de fil qui descend. Voilà. Ici, je m'introduis tout près de ce fil qui descend. Regardez, il y a comme une maille ici et je m'introduis sous ce fil qui descend, je m'introduis dessous. Je fais ça tout le rond. C'est un seul rond qui va se répéter. Et ici, je cherche et je vais dans le trou qui est juste en dessous. Et là, j'arrive, regardez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Et là, j'atteins la dernière maille. Je tourne mon travail et je prends les deux fils qui se présentent ici. La dernière maille, je la tourne un petit peu et je prends ces deux, les deux brins et je laisse tomber après. Voilà. Et j'ai vérifié que vous avez vos 16 mailles. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16. Bon, ça va. Donc, et là, je fais un jeté et je laisse tomber la première, une seule. Au début, on laisse toujours tomber une seule. Et après, on fait un jeté et on les laisse tomber deux par deux. Un jeté et vous les laissez tomber deux par deux. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule maille. Et voilà ce qu'on obtient. Le premier rang, ça commence à se voir. Ouais. Le premier rang, on commence à voir un petit peu. Donc, on continue. Donc, je vais toujours, ici, on a ce fil qui descend, et juste, vous le poussez un tout petit peu, et vous avez un trou. On s'introduit dans ce trou-là, et on tire une maille. La première, on ne travaille pas, hein, on la saute. Voilà. Donc, et continue comme ça pour toutes les mailles. Vous avez votre fil, il y a un fil là et le trou entre les deux, je m'introduis dedans. Regardez. Encore une fois, ce fil là et entre les deux, il y a un petit trou, je m'introduis dedans. Et ça donne ce résultat comme si c'est tricoté, pas un crochet, comme si ça a été fait avec des aiguilles. Pour toutes les mailles, et quand j'arrive à la fin, la dernière maille, je tourne mon travail et je vais aller prendre les deux brins. Je vais sous les deux brins et je tire une maille et je compte mes mailles 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc, comme on a dit, on fait un jeté, on laisse une maille au début et après c'est deux par deux. On continue comme ça. On travaille comme ça jusqu'à atteindre la longueur souhaitée du bandeau.
le tour de votre tête et qui couvre les oreilles. Voilà. Hein, ça commence à se voir. Donc, comme on a dit, regardez encore une fois avant de nous quitter. Vous avez un trou là. Non, on laisse cette maille, on ne touche pas. On ne touche pas cette maille. Et là, vous avez un trou, non. Mais là, regardez, en dessous de ce fil, il y a un autre fil. Entre les deux, il y a un petit trou. Et là, c'est là que je m'introduis. Entre, regarde, ici, je m'introduis et je prends le fil. Regarde, encore une fois. Voilà, c'est comme une maille. Hein? Ça ressemble à une maille avec un fil à l'intérieur. Mais là, je m'introduis en dessous et à l'intérieur du trou. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et puis on revient. On fait ces allers-retours jusqu'à atteindre la longueur souhaitée. Voilà, j'ai terminé. Ce bandeau, il fait le tour de ma tête. Donc pour moi, c'est bon. On va donc couper le fil. Un peu long pour faire la couture. Je mets le fil, j'enfile le fil dans mon aiguille et je vais faire comme ça. La face ici et le dos ici, donc sur le côté dos, je fais comme ça sur côté dos. Et pour faire le nœud au devant, donc pour faire le nœud devant dans le bandeau, comme celui-là qu'on avait fait auparavant, donc je vais faire comme ça. J'ai déjà fait cette façon de coudre pour avoir le nœud. Voilà, je l'ai déjà fait pour ce bandeau là. C'est la même chose, on fait la couture sur le dos. On va faire la couture sur le dos, la même chose. Je fais ma couture. Vous faites la couture comme vous voulez. Mais vous prenez les quatre parties, vous introduisez votre aiguille dans toutes les parties. Et vous renforcez votre couture en faisant des allers-retours. On va coudre, faites votre couture et on se retrouve. Voilà, mon bandeau il est fini. J'ai fini les coutures, j'ai caché les fils, donc il n'y a plus rien. On le retourne et voilà, vous avez votre nœud du milieu et ce point qui ressemble à un point tricot, mais c'est du crochet tunisien. C'est un point du crochet tunisien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et vous allez réaliser ce bandeau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser un commentaire pour dire votre avis. Merci, à la prochaine vidéo.